Salut à tous, salut MakerU35. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo du premier redémarrage de la 103 depuis que le haut moteur a été changé. Donc, ça y est, je viens de terminer de changer le bestiau. Je vais vous montrer ça dehors, hein, faut que je la sorte, mais tout est bon. Elle compresse à balle, mais c'est parce qu'il y a... c'est parce que j'ai foutu de l'huile dans le cylindre au montage, mais. Compresse dure quand même. J'ai de l'allumage recalé à 1,6. 1,8, je vous avais dit, c'était un peu trop. Donc là, je vous mets dehors et on va voir si la bestiole démarre. Normalement, oui. Voilà. On est à 103 et là. Là, vous devriez voir à peu près. Enfin, j'espère. Oh, j'ai le décompresseur à retendre, bon, c'est pas grave. L'accélérateur. Embrayage qui patine. Vite, hein. Embrayage qui patine. Bon, l'échappement qui fuit un peu, c'est pour ça qu'elle fait beaucoup de bruit. Et en même temps, je vais vous montrer un truc assez débile. Je vais la laisser tourner au ralenti, comme ça elle va faire son pré-rodage. Après, je vais faire 200-300 km de rodage quand même. Mais dans la pochette de joint qu'ils ont fournie, en fait, ils ont mis une rondelle en cul, mais qui est beaucoup trop grosse. Bon, bah, pour l'instant, ouais, c'est vrai qu'elle fait pas mal de bruit et ça me plaît pas trop pour le rodage, mais tant pis. Non, ça tourne très bien et elle est carrément plus nerveuse, c'est plus du tout le même comportement. Je l'entends, ça n'a rien à voir. Bon, là je suis en gicleur de 250, je repasserai je pense en 245. C'est les anciennes numérotations, hein. Pour ceux qui ne savent pas, ça fait en gros là je suis en gicleur de 64, je repasserai en gicleur de 62 après le rodage. Ça pue un petit peu. Ouais, c'est de l'huile. Allez, à plus!